Bonjour à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce 23e épisode de Let's Play sur Doom Eternal. On reprend la partie là où on s'était arrêté et on continue. J'ai plus énormément de munitions. Alerte à tous les employés de l'Arc. Les non-morts ont pénétré le complexe. Évacuation conseillée. Allez! Ici le docteur Elena Richardson. Entrée de journal 007. 3 mars 2163. Notre salut repose sur lui. Car à mesure que sa force croît, leur nombre ne cesse de chuter. Les prêtres commandent leurs armées au nord et au sud, mais ils dictent le rythme du combat. Voyons un peu... Ouais, pas trop le choix. Il réside au sein du cercle intérieur de la mort, et les traque jusqu'aux confins de la Terre et au-delà. Dégageons. Il y a un boss. Avec toutes les munitions qu'on me donne, c'est qu'il y a un boss. Oui. Le laboratoire du docteur Hayden se trouve au dernier étage du bâtiment. Attention, les protocoles d'alerte ont été activés. Veuillez quitter le bâtiment immédiatement. Dieu. Le docteur Hayden était convaincu que vous finiriez par venir ici. Est-ce que je peux vous dire que c'est un honneur pour moi de vous rencontrer enfin en personne? Attention, les protocoles d'alerte ont été activés. Veuillez quitter le bâtiment immédiatement.
On ne sait pas comment accéder au cortex principal. Tout est alien. On n'y comprend rien. Nous devons préparer sa délicate extraction selon des ordres très spécifiques. Son signal vital est à peine lisible. Alerte. Présence démoniaque de niveau 5 pénétrant le laboratoire principal. Mic feedback off. Mic feedback on. J'ouvre maintenant le portail. Mic off. Tu n'as jamais été l'un des nôtres. Tu n'étais rien d'autre qu'un usurpateur. Une fausse idole. Mes yeux sont grands ouverts. Laisse-moi t'aider à voir, Slayer. Maraudeur. Le maraudeur est un âpre défenseur. Lui inutilisera son shotgun. Si vous êtes trop loin, il lancera des projectiles. Maintenez à moyenne distance et contrez ses attaques lorsque ses yeux deviennent verts. Sinon, il bloquera vos tirs. Le maraudeur résiste aux super armes. Ok. J'aurai pas toute la cinématique à faire. Bon. Alerte à tous les employés de l'Arc. Les non-morts ont pénétré le complexe. Évacuation conseillée. Pas des masses, hein. Je sais pas viser, ça va trop vite. Allez! Et... Le temps que je vois que j'appuie sur ce bouton. Non. Point de passage. Tant que j'appuie sur ce bouton, c'est fini, il y a déjà. Voilà. À tous les employés de l'Arc, les non-morts ont pénétré le complexe. Évacuation conseillée. Le temps que je me replace, il me tue. Allez. Alerte à tous les employés de l'Arc. Les non-morts ont pénétré le complexe. Évacuation conseillée.
c'est le bordel. Alerte à tous les employés de l'Arc. Les non-morts ont pénétré le complexe. Évacuation conseillée. Yeah. Eh oui, je suis trop loin, je suis pas assez loin, allez, quoi. Bah oui. Il m'empêche d'aller taper l'autre et... Bref. Les non-morts ont pénétré le complexe. Évacuation conseillée. Si vous pouvez éviter de me tirer juste des bobines normaux, ça aurait été bien mieux. Pas des munitions de groupe à l'infini non plus, hein. Alerte à tous les employés de l'Arc. Les non-morts ont pénétré le complexe. Évacuation conseillée. Dépêtrer. Alerte à tous les employés de l'Arc. Les non-morts ont pénétré le complexe. Évacuation conseillée. Pénétrer le complexe. Évacuation conseillée.
Voilà quoi, il y a un loup, il y a lui, il y a un zombie. Et ils vont plus vite que moi. Enfin, par le zombie. Alerte à tous les employés de l'Arc. Les non-morts ont pénétré le complexe. Évacuation conseillée. Auto shutdown initiated. Je me fais canarder de partout. J'arrive pas à suivre ses mouvements et quand j'arrive à le suivre, je me fais taper par derrière par le... Alerte à tous les employés de l'Arc. Les non-morts ont pénétré le complexe. Évacuation conseillée. Hop, petite seconde. Sinon, je risque de perdre le son. Et ce serait un peu con. Auto shutdown cancelled. Charging battery. Voilà. Hop, c'est parti. Allez. Ok, bon, on continue, hein. Vous avez détruit 68% des forces d'occupation de l'enfer. Sans les prêtres, les démons ne consumeront pas la terre comme prévu par la Canmaker. Mais il reste encore un prêtre, et j'ai perdu son signal. Impossible de le localiser. Le docteur Aiden le trouvera. Le docteur Aiden se transfère dans l'unité centrale de votre vaisseau. L'architecture est similaire à la sienne. Cela permettra... Le dernier prêtre se cache. Dans Sentinel Prime, la Canmaker veut éviter qu'on ne le trouve facilement. Le seul accès fonctionnel à Sentinel Prime est le noyau de Mars, dans la cité perdue des bêtes. J'ai indiqué l'emplacement, mais s'y rendre sera compliqué et la route sera longue. Il n'existe aucun accès simple pour atteindre le noyau de Mars. Docteur Aiden, il n'existe absolument aucun accès connu. Le BLJ-10000, conçu par le Docteur Samuel Aiden pour intégrer le réseau de défense anti-démon. Je comprends. Recherche en cours des coordonnées du BFG-10000. On ne peut pas si facilement faire un trou comme ça à la surface de Mars. Le portail est prêt. Ok, bon. Avant.
ça j'avais déjà. Donc, disponible 5, j'en prends un. Alors, bon, pas trop le choix, hein. Voilà, pour l'instant, j'ai tous les modules pour toutes les armes. Je vais prendre... Allez, accepter. Bah j'ai tout pris ici. Hein. Vous voyez encore ces points-là. J'en ai deux. Ah oui, par rapport au 9000, le 10000 est légèrement plus gros d'après ce que je vois. Hein. L'accès au BFG 10000 se trouve de l'autre côté de ce bâtiment. Alerte, le BFG 10000 tire. D'accord, jusque le plasma gun. Je pense que la source d'énergie du BFG 10000 devrait aussi nous intéresser. Tire.
j'avais pas le choix, il faut noter. Eh ben non. Voilà, on est. C'était un baron infernal, d'accord. Alerte, le BFG 10000 tire. S'arrêter là pour cet épisode, on reprendra dans le suivant. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, et surtout, portez-vous bien, bye.